Là, y a pas de problème, on est bien en défi classique. Oui. Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour jouer un deck troll, un deck cimetière fast cycle sur Clash Royale en défi classique, bien entendu, sinon ça va être beaucoup trop compliqué. Mais avant ça, encore une fois, les potes, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Vous avez ma chaîne Twitch en description, vous avez le lien en description, donc vous pouvez aller checker là-bas. Parce que je fais pas mal de live Clash Royale en ce moment, vu qu'on fait pas mal de vidéos sur YouTube. J'évite de stream en même temps pour paniquer les stats, parce que bon, vous l'avez vu vous-même, hein. En ce moment, YouTube, de 1, en termes de référencement, c'est pas ouf. Et de 2, bah, c'est un peu en pente descendante. Donc forcément, si en plus je me tire des balles dans les pieds, ça risque d'être un peu plus compliqué. Du coup, je stream sur Twitch en ce moment Clash Royale. On fait pas mal de streams là-bas. Et on stream également ladder hein, sur mon petit compte. Parce que regardez, à l'heure actuelle, je suis à 6k7 avec mon petit compte. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, on va pas rush ladder, les potes. Là, on va pas rush ladder. On va jouer un petit deck cimetière troll. Un petit deck cimetière rapide. 2.1 d'élixir. Enfin, c'est plus 2.2, c'est plus 2.2 parce que j'avais pas le sort d'orage, pardon, j'avais les flèches. Je dis des bêtises, c'est 2.2 d'élixir. J'avais les flèches, pas le sort d'orage. Les flèches pour aller gérer quand même tout ce qui est bat, etc. Enfin, pas bat, mais archer et tout. Du coup, on va lancer en défi classique. Voilà, c'est chill, les potes, on se prend pas la tête. Petite vidéo chill, on essaye de faire un maximum de victoires en défi classique avec un deck cimetière fast cycle. Parce qu'en ce moment, je vous avoue que même présenter les decks sur Clash Royale, enfin, que ce soit des decks ou autres, bah, y a pas grand chose, vu que tout a déjà été fait. Ça fait 4 mois qu'on charbonne la même méta. Donc, forcément, on commence à tourner un peu en rond. Et on n'a plus réellement d'idées de vidéo. C'est pour ça que c'est un peu galère. Hein. C'est un peu galère. Bon, ok, ça trouve pas de game direct. Bah, on se retrouve tout de suite, les potes, pour la première. Et on est parti, du coup, les potes, dans cette première game contre MMAQC. Allez, c'est parti. Vous allez voir, on cycle très très vite. Hein. Ça va aller très très vite, je vous le dis. En gros, j'ai vraiment le cimetière en terre. Ok. Oh merde. Ok. J'avais le cimetière en dernière carte. Ouais, ça, niveau chance, on est pas mal, hein. On est bien niveau chance, là. Ok. Bon. Il est un cochon, une horde de gargouille. Bon choix en défi classique, hein. Je pense que vous savez pourquoi. Hein. Parce qu'en super défi avec ce deck, on va se faire rouler dessus. Tout simplement. Donc bon, on essaie quand même de... Ok mec, bon, je suis pas le seul à troll apparemment. Ah non, lui c'est son deck, je pense que c'est son deck classique. Hein. Moi c'est un deck troll, lui c'est son deck normal, hein. C'est son deck qu'il utilise tous les jours. Bon. Oh l'esprit glace par contre rentable de ouf. Regardez, hey, regardez bien la vitesse où on cycle, hop c'est déjà reparti. Non mais gros, tu trolls. C'est une blague. C'est une caméra cachée. Il y a quelqu'un qui va sortir d'un trou et me dire « Coucou, c'est une blague !» Bah non, en fait. C'est quoi ce deck encore? Mais c'est quoi ça? Bon. Bah yes. Bah, comment je défends ça, moi? Je vais en faire comme ça. Oh, les bats! Wesh, pardon! Mais oh, j'ai des troupes en carton. Hein. Oh, c'est grave, j'ai des troupes en carton. Hein. Oh, les bats, elles ont mis 20 ans, tu la sorcière, what the fuck? Oh, puis la fournaise horde de gargouille sorcière. Bon. On va galérer, hein. On va galérer. Bon, on est bien en défi classique, hein. Là, au moins, vous êtes sûr, on est bien en défi classique. Là, il n'y a pas de problème, on est bien en défi classique. Oui. Alors, ça, c'est une certitude. Ah oui, ah bah oui, là, je peux vous le confirmer. Ok, mec, je vais m'en battre les couilles. Ouais, hein. Ouais, mec, je vais te lin ta grand-mère. Oh mec. Oh les dégâts que ça vient de mettre là. Oh j'aime bien quand ça fait comme ça. Ok, on va repartir golem de glace. On remet la pression parce qu'on est devant. Hop là, on repart comme ça. Voilà, ça j'aime bien. Ok. Ça me va. On a un maximum de dégâts sur la tour. Les trucs glace en plus qui va aller tout geler. Bon, c'est pas mal ce qu'on est en train de faire là. Attention quand même au cochon. Ok. Hop. Oh, c'est la roue libre! Frère, ouais, c'est quoi ça? Calme-toi! Oh, mec, le cochon! What? Non, la tête de ta mère, je perds pas. Ok. J'ai eu peur quand même. T'allais perdre contre un noob. Ok. Non, pas noob. Je vais pas dire ça parce que je vais encore me faire full trash après. Mec, pas bon. Mec, pas ouf. Tout ce que vous voulez, mais sinon après, je vais me faire trash. Hop. Hop, hop, hop,
Ok, mais qu'on remet la pression. Hein. Oh non, 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 non. Ok, les battes. Les battes, oh, par contre, les battes, le taf qu'elles font. En fait, j'ai l'impression que ma une condition, c'est les battes et pas le cimetière. Hein, no joke. Hein. Ok, on va ça boule de neige, sinon je vais perdre mes battes et j'ai pas envie. Oh, mec. Oh, la défense. Oh, mec. Non, 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 tue pas. Oh, putain, mais gros. Non, 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 bah non, bah non, bah non. Oh, mais par contre, sorcière et tout, c'est impossible de passer en fait. Ok, ça, j'ai flèche, pas mal. Après, c'est pas mal, hein. J'ai les flèches pour la horde, mais par contre, après, pour la sorcière, j'ai rien du tout, quoi. Oula. Non. Je voulais pas faire ça, j'ai juré. Oh, je panique! C'est le moment de full spam! Ouais. On va déjà remettre un autre cimetière! Ouais! Oh frère, c'est n'importe quoi! Oh là 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 là! Oh le double cimetière par contre là! J'ai toujours rêvé de faire ça en game, genre vraiment de cycler tellement vite que tu mets deux cimetières que le mec il a même pas le temps de faire quoi que ce soit. Bon, ouais, c'est compliqué parce que j'ai des decks qui coûtent un peu plus cher, mais là, ouah, ça c'est dans les veines directement là! Oh là là là! Le double cimetière en x3 là, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ok, première victoire. Et c'était pas facile hein, parce que la sorcière était vraiment dure à gérer. Il avait un miroir aussi. Du coup, on repart direct hein, parce qu'on n'a pas le time, tu connais. Je vais aller porter plante. Non, je vais porter plante. Bonne bûche là. Ouais, bonne défense. Hein. C'est un peu chiant là. Que ça la bouche. Bon, on va mettre des flèches. Ok. Hop. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On a pas besoin de défendre plus, mais on prend quand même 27 milliards de dégâts, mais au calme. Au calme, au calme, au calme. J'allais dire, on est devant, pas du tout. On est clairement pas devant, mais au calme. Bon, ok. Pareil. C'est intéressant, hein. Pourquoi pas. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Hein. Prends la défense, regardez bien et apprenez. J'aurais pu activer la tour du roi 15 fois, mais... Bon. Le karma, c'est où? Le karma, s'il vous plaît. Le karma est de Mandel. Non, mais gros, il a combien d'élex, frère? Gros, il vient de mettre un MK flèche, mes couilles, là. C'est grave. Je vais encore devoir flèche. Plus boule de neige, je pense, parce que là, je vais prendre... Non, il passe devant. En vrai, ça passe devant, donc c'est pas mal. Oh, juste flèche, parce qu'après, la tour fait le taf. Ici, esprit de glace. Et normalement, ça devrait aller. Normalement, je prends pas de coup. Ok. Ouf! Pour une fois qu'une prédiction passe bien, là, parce que waouh. Croissant MK, par contre, il m'a fait un enfant dans le dos, frère. Ça repart MK une nouvelle fois. Bon, on va repartir au cimetière direct. On va battre en plus cette fois-ci. Il va sortir électrique, ouais. Logique. Mais on va battre de l'autre côté maintenant. Et ça, tu t'y attendais pas. Hop. Esprit électrique, ok. Ok, ok. Hop. Tac, nickel. Regardez les squelettes. Regardez les petits squelettes, les petits Jean-Louis là. Tu les connais. Ok, ça c'est good. Là, on va hop. Boule de neige plus battre. Nickel. On va repartir ce petit de l'autre côté. Hop. On va partir deux. Non, s'il met une cache, je suis dans la merde. Ok. Ouais, j'aurais peut-être du double cimetière du coup. Je m'attendais pas à ce qu'ils défendent avec source électrique. Je m'attendais à un gros MK. Ok, on va battre là. Ouais, hop. Hop, on va kite ça là-bas. On va repartir cimetière direct. On va pré-shot boule de neige et flèche plus boule de neige. Ok. Pour mettre un maximum de dégâts. Oh, oh, le cimetière. Oh là là, le frère, le cimetière. Oh, ouais, je mets avec boule de neige. Par contre, boule de neige, c'est vraiment fort avec cimetière. C'est vraiment un combo qui est très très fort, vu que la boule de neige ralentit tout. Enfin, ça fait une petite onde de gel, et du coup, forcément, ça met beaucoup, beaucoup de dégâts. Et encore une fois, on va aller chercher une game contre un méga chevalier, cette fois-ci, hein, contre un petit MK. Ça fait plaisir. On va partir, du coup, sur une petite dernière game, parce que bon... C'est marrant, mais pas non plus pendant des heures et des heures. Et j'avoue que c'est fun. Ça reste fun quand même sur certaines petites games. Après, je vous avoue, hein, si vous avez des idées de vidéos ou pas, je suis vraiment preneur. Parce qu'en ce moment, je vous assure que c'est une galère. Et j'ai hâte, sincèrement, qu'il y ait un nouveau équilibrage. Histoire qu'on commence vraiment à retraire de la méta et vous ressortir 25, 27 milliards de decks. Parce que là, en ce moment, c'est un peu la PLS.
Mais bon, c'est bien aussi de temps en temps de sortir des petites vidéos troll, pas prises de tête. Voilà, comme ça on s'amuse ensemble. C'est aussi le but d'un jeu vidéo avant de tryhard, hein, c'est aussi de s'amuser. Donc on essaie de s'amuser ensemble, les enfants. Et ça fait plaisir. On va partir au cimetière. Alors j'ai même pas de tank. Hein. Juste que j'avais que ça dans la main, du coup je pars au cimetière. Le cimetière, du coup, qui va faire 0 dégâts! Ouais. Attendez. Oh non, mais non. Ah oui, mais du coup, j'ai plus le cimetière. Oui, c'est un peu con ça. C'est vrai que du coup, le miroir, il est miroir la dernière carte que t'as vue. Ça, c'est un peu con. Ok, soit on va faire ça plus esprit de glace. Non, ça devrait défendre. Hop, nickel. Plus que squelette ici. Hop. Parfait, ça, parfait. Hop, on a des flèches là, par contre, ça, c'est good. Ok, on va pas défendre, on va partir au cimetière direct. J'allais partir au coup de tour droite, mais ça sert à rien parce que c'est là où j'ai le. C'est là où il y a le plus d'HP. Donc on va partir tour de gauche. Là on a gratté un petit peu quand même depuis tout à l'heure. On va rajouter boule de neige pour mettre un maximum de dégâts. Hop, comme ça on ralentit un peu tout. Et regardez encore une fois la boule de neige. Hein. Wesh, mais c'est incroyable. Il y a 5 squelettes et ça gratte je sais pas combien de dégâts. C'est vrai que la boule de neige c'est vraiment fort. Hein. C'est vraiment une carte vachement intéressante. Encore une fois, on est devant. Et ça, ça fait plaisir. Donc on va la laisser avancer pour réfléchir tout. Hop, voilà. Voilà, nickel, ça on va, hop, parfait. Et on va pouvoir repartir au cimetière dans pas très longtemps. Hop là. Hop, je protège les squelettes. Pas pour très longtemps, mais ça fait plaisir. Hop, on va mettre encore une fois boule de neige ici. Voilà, regardez, regardez ça, regardez le cimetière encore une fois. Le cimetière français qui va aller prendre la tour. On est encore très très large en termes d'HP sur la tour de gauche. Et on va pouvoir partir sur la tour de droite. Tranquillou pilou. Hop, hop, on recycle le fond de map. Ah. On va pas mettre de cimetière du coup là, parce qu'il y a un petit mco là. Donc on va attendre. Hop. On met... Non, je vais pas mettre golem de glace, sinon ça me coûtait cher. Et j'en ai besoin pour défendre le côté droit. Ouais, ça je vais être obligé de flèche par contre. Hop, ça on va mettre bat ici. Ok. Il y a un pour gérer les bats, il me semble. Je crois qu'il y a un pour gérer les bats. Forcément, ça m'aide pas mal à défendre. Ok. Ok, ok, mec. Hop, golem de glace ici. Parfait. Chauve-souris là-bas. Chauve-souris ici. Ok, ça, on va les flèches. Hop, ça, on défend. Hop, nickel. Ça, on re-chauve-souris ici. Hop, parfait. Là, on boule de neige. 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 Et là, je... Boule de neige, et c'est la victoire avec une boule de neige. Les on fait rager des joueurs alors qu'on joue cimetière fast cycle. Oh, ça me fume. Oh, ça me fume, c'est incroyable. J'aimerais bien faire des petites sessions comme ça en ladder, mais j'ai pas encore le compte la max parce que du coup, celui-là, je m'en fous un peu. Vu que c'est pas avec ce compte là que je fais la CRL, donc je m'en fous du ladder. Enfin, on pourrait faire des trucs assez sympas, assez troll en ladder, donc ça pourrait être sympa. J'essaierai si vous kiffez comme ça ce genre de petites vidéos où on joue des petits decks. Des petits decks trolls, pourquoi pas les faire sur mon petit compte justement en ladder, ça pourrait être sympathique, on pourrait encore plus se marrer parce que là il y aura un peu plus de tryhard vu qu'on est en ladder, ça serait des gens un peu meilleurs même, donc franchement ça serait assez cool. Du coup les potes, bah si vous avez kiffé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait super plaisir. Voilà, on change un peu, on revient un peu sur du troll parce que de temps en temps, rigoler sur le jeu ça fait du bien aussi, surtout qu'on est dans une période qui est pas facile sur le jeu, je pense que voilà, j'apprends rien à personne. On le dit quand même assez souvent, mais on a hâte. Et on espère que ça va vite revenir et que le jeu va devenir encore meilleur et beaucoup plus fun à jouer. Et même à tryhard, donc ça, je pense que le 5 avril, ça devrait être assez cool. Voilà, du coup, si vous avez kiffé la vidéo comme d'habitude, voilà, vous savez ce que vous avez à faire. Sur ce, c'était moi, je vous fais des bisous. Peace tout le monde.